Vous là, regardez mon ventre. Vous là, regardez mon ventre. Je suis jeune. Ça là, ça doit quitter sur moi. J'ai 26 ans seulement. Je ne peux pas avoir ventre de quelqu'un qui a 66 ans. Je ne peux pas. Je vous demande pardon. Si quelqu'un connaît un remède pour enlever ça là, je n'ai pas encore l'argent de BBL. Non, j'ai son argent. Mais quand je veux enlever, non, j'ai son argent. C'est autour de 3 millions, non. J'ai son argent. Mais quand je vais enlever ici, je vais mettre ça où? Je ne peux pas mettre ça derrière. Déjà même, je n'ai pas fait. Mon nom est pourri. Imaginez maintenant, j'enlève ici pour mettre ici. Imaginez maintenant, mes fesses sont comme ça. Oh, laissez, je ne peux pas. Pardonnez, je suis fatigué. Je ne veux plus ça là. Eh, il y a quoi? C'est quoi j'ai mangé que les autres n'ont jamais mangé? Eh, je suis enceinte? Non. J'ai fibrome? Non. Je suis malnutrie? Non. Donc, pourquoi tu es là? Qu'ai-je fait pour mériter ça? Tu ne pouvais pas venir derrière? Est-ce que je suis obligé de venir devant? Fallait venir derrière. Si derrière te dépassait, fallait venir dans mes hanches. Je t'ai fait quoi? Ou même mes cuisses. J'ai des cuissetons. Tu pouvais venir dans mes cuisses. Ça, la circonstance. Ayez pitié de moi, donnez-moi un remède. Mais hormis ça, je suis dans un mood. Hein. Vous voyez que sur mon t-shirt, ils ont écrit mood. Hé Loïc, mets-moi une bague de fiançailles, s'il te plaît. Avant même que la personne vienne mettre, toi-même, mets d'abord. C'est où même? C'est ici ou ici? Attends. Les tantes qui se marient et puis dès que elles deviennent mariées, elles font toujours photo comme ça là. C'est avec ici. Oui, c'est ici. C'est ici. Loïc, mets-moi une bague de fiançailles. Faut pas YouTube va penser que je suis en train de faire droit d'honneur. Ils vont me démonétiser. YouTube, c'est pas droit d'honneur. C'est pas droit d'honneur. C'est le droit de l'amour. C'est mon présent. C'est parce que la personne n'a pas encore mis. Mais ça vient. Loïc, mets-moi ma bague. Oh là là. C'est beau. Faut me mettre de l'or. Je veux pas de l'or plaqué. Je veux pas or plaqué. Je veux pas argent blanc. Je te préviens. Parce que toi, Loïc, où tu es là, là? Tu cherches l'amour. Moi, j'ai trouvé. Donc, faut pas me mettre la pacotille. Faut pas me mettre la pacotille. Tu me mets de l'or. Mais de l'or. C'est trop beau. Ah. Mood. M. Comme maison. Tu es dans la maison avec ton âme sœur. Oh, comme Aubin. Les Aubin. Les Aubin. Le couple Aubin. Oh, comme organisation. Un couple organisé aussi. Un couple structuré. Oh, comme organisation. D. Dans l'affaire d'amour là. D. Ça, c'est divorce. D. Non. Ma chose qui vient de commencer là. Divorce comment? D. D comme. Yeah, D comme. Attends. Pourquoi c'est divorce qui vient de ma tête? Divorce n'a qu'à sortir de ma tête. Ce qui vient de démarrer ne peut pas s'achever. Comme ça. Ce qui vient de démarrer en quelques jours ne peut pas finir en quelques jours. D comme. Bon, on enlève le D. Mou. Est-ce qu'on est obligé de dire mood? Mou. M-O-O. Maison, aubain, organisation. D, c'est pas forcé. Donc, D, là, je peux trouver. Ouh, j'ai trouvé. D, comme diagnostic. Parce que le docteur a diagnostiqué mon cœur. Et il m'a dit de ne pas avoir peur. Tu feras mon bonheur. Hé! Hey! Là, je viens de faire poésie. Je vous jure que je n'avais pas écrit. Je n'avais pas fabriqué ça avant de venir m'asseoir. Si tu me regardes, bébé, sache que tu as trouvé l'homme de ta vie. Ne cherche plus. C'est moi. Ce qu'on a commencé là, tu ne seras pas déçu. D, comme diagnostic. Parce que le docteur a diagnostiqué mon cœur. Il m'a dit de ne pas avoir peur que tu feras mon bonheur. À bon attendeur, générique. Yeah! Je peux même faire slam. Je peux faire slam. Je peux écrire texte de slam. Je mérite. Coucou les chéris, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis dans un mood.
Je vous ai dit que je devais sortir une vidéo chaque jour. Hier, malheureusement, je n'ai pas pu sortir la vidéo à cause de Loïc. Loïc n'a pas fait le montage à temps. Donc c'est ça. C'est Loïc. Sinon, moi, j'ai travaillé, j'ai fait ma part. Donc, votez. Si je dois le changer, je le change. Dites-moi en commentaire si je dois le changer. C'est Loïc. Les chéris, les filles, mes belles, les belles. Vous savez qu'on est en décembre. C'est le moment de mettre les mèches sur vos têtes, les perruques. Ayo, luxury hair. Ayo, luxury hair. Et les magasins d'Abidjan aussi, ils aiment trop les noms en anglais. Air, Ayo, luxe. Cheveux de luxe de Ayo. Voici ça. Parce que je ne sais pas comment je vais dire. Cheveux de luxe de Ayo, Ayo, luxury hair. Elles vendent des mèches. Elles vendent des baby hair. Elles vendent des mèches naturelles. Elles vendent tout ce que vous voulez mettre comme mèche pendant ce mois de décembre et de janvier qui arrive. Ses prix sont négociables. Voici son numéro. Voici ses réseaux sociaux. J'ai mis en description le lien de ses réseaux sociaux. Vous-même, vous savez que je n'ai jamais fait partenariat de mèche. C'est la première fois. Si je parle de poil, c'est parce que c'est là-bas ma petite soeur achète ses perruques. Et je vois la qualité. C'est parce que pour moi-même, n'est pas arrivé loin. J'ai su mettre des limites dans tout moi. Sinon, ça là-même, j'allais mettre sur ma tête. J'allais porter. La qualité, y a, c'est fluide. C'est-à-dire qu'elle fait comme ça, non? Elle fait comme ça. Tu vas dire qu'elle est en train de jouer tennis. Tu vas dire que ses balles de tennis, elle est en train. Tellement c'est fluide. Les mèches, là. Pour les filles qui aiment les couleurs, il y a des mèches de couleurs. Voilà. Donc, c'est le seul endroit où vous devez aller chercher vos mèches dans Abidjan. Son magasin est très bien situé, c'est à Makouri. Pas loin du Alkayan de Makouri. En tout cas, si vous l'appelez, vous lui laissez des messages, elle vous enverra la localisation. Quand vous partez là-bas, dites que on a vu les mèches dans la vidéo de Kevin Obey. On est venu voir. Allez-y. Elle est gentille, elle est agréable. Je vais continuer à parler d'elle parce que moi, je ne me suis jamais assis pour faire l'aise frontale. Mes mèches, j'ai vu là, il restait un peu. J'allais porter pour faire comme ça pour aller à la maison. Tellement. C'est vrai, c'est la publicité. Mais avant d'être la publicité, c'est la vérité. Vous-même, vous regardez les mèches. Les longueurs là commencent entre 16 pouces. Ça va jusqu'à 40 pouces. Si tu veux long, c'est long. Tu peux dépasser réponse. Hein. Tu peux dépasser réponse. Club de petites réponses. C'est ça qui a long cheveux là. Tu peux la gagner si tu veux. En tout cas, si tu t'en vas chez Ayo. Luxury hair. Cheveux de luxe de Ayo. À peine seulement. C'est moi, je t'ai dit. Si tu t'en vas, que tu es déçu. Envoie mon message pour m'insulter. Voici son contact. Et en description, je vous ai mis ses liens. En plus, dans le magasin, elle fait aussi manucure, pédicure, elle a un spa, tout ça dans le même magasin. Donc, tu peux même aller te manucurer, te pédicurer. Allez te faire et te refaire pour attaquer la capitale dans les fêtes. Pour attaquer les fêtes dans la capitale et la capitale dans les fêtes. C'est la seule adresse. C'est de ça qu'on doit parler, ce magasin-là. Voilà la soirée. Vous savez, j'ai commencé ma chaîne YouTube, je pense, en décembre 2018. Donc, ça va faire 4 ans que je suis sur YouTube. Vous avez vu mon évolution. Et dans cette vidéo-là, peut-être que c'est ma vidéo qui va le moins marcher parce que, bon, vous aimez bien, vous faites genre, mais vous aimez bien quand je pilonne les gens. Aujourd'hui, je suis allé sur Twitter. Je voulais faire les captures d'écran des gens qui m'insultent sur Twitter. Parce que tous les jours, on m'insulte là-bas. Pour faire mes vidéos que vous connaissez là. Pour venir m'asseoir. Pour dégainer. Puisque Mati Dola, pour tirer sur eux. Dégainement. Mais pendant que je cherchais les commentaires négatifs, j'ai vu plein de commentaires positifs. Et je me suis dit, Kevin, ça fait des années. Quand tu fais tes vidéos, tu prends que les commentaires négatifs pour faire du contenu. Pour cette fin d'année. Pour cette période de Noël. Prends des commentaires positifs de Twitter. Pour faire une vidéo. Peut-être que ma vidéo, ça là, vous n'allez pas aimer. Parce que ça va faire comme
la maison du bonbon. Ça va faire comme Bisounours Land, au pays des bisounours. Mais je veux dire merci à ceux-là même. Prêche, maman, prêche. Prêche, Kevin, prêche, maman, prêche. Je veux dire merci à ceux-là même qui m'ont toujours soutenu, qui ont lancé des commentaires positifs, qui me défendent bec et ongle. Bec et ongle, comme s'ils venaient de faire manicure pédicure chez Ayo Luxury Hair. Comme s'ils venaient de faire manicure pédicure dans ce magasin-là. Ils prennent leurs ongles pour me défendre comme ça. Leurs ongles bien aiguisés. Même ceux qui rongent leurs ongles me défendent. C'est ça, on dit, j'ai des fanatiques. Les youtubeurs qui me disent, ah non, pour moi, vous n'êtes pas mes fans, vous êtes mes amis. Vous êtes mes fans. Vous êtes mes amis que je vous connais. Depuis que je fais vidéo là, vous m'avez déjà vu venir m'asseoir pour dire, coucou les amis, amis de quoi? Vous êtes mes chinda. Hé, hey, vous êtes mes fans. Hein? Mes chinda, carrément. J'ai toujours voulu être une star. Aujourd'hui, je suis star. Et puis, je vais dire, mes fans ne sont pas mes fans. Ce sont mes cousins. Vous êtes mes fans. Ça seulement, hé, hey, ça seulement, je badine pas avec. Vous n'êtes même pas mes fans. Parce que fan, c'est coupé. Vous êtes mes fanatiques. Mes fanas. Si je veux abréger, c'est pas fan, je vais dire. Je dis fana. Parce que fana, ça fait comme si. Ya! Tu dors, tu te réveilles, c'est mon nom. Tellement tu m'aimes. Et mes fanas. Mes chori fanas. Mes fanas chori. J'ai sélectionné des tweets qui m'ont touché. Premier tweet. C'est un tweet de femme phénoménale. Elle a écrit ça le 9 décembre 2022. Je répète, j'aime beaucoup l'évolution de Kevin Aubin. Ça veut dire même que elle a déjà dit ça. Parce qu'elle dit, je répète, il vit sa best life à Barbie. Fait ce qui lui plaît. Enchaîne les événements et tout. J'aime trop voir ça. Je le suis depuis ses premières vidéos et il évolue. Étoile, étoile, le feu dans le vent. Hé, hey, femme phénoménale. Tu n'es pas phénoménale seulement. Tu n'es pas seulement une femme phénoménale. Elle est très forte. Je vais faire. Anjola, on dit que je vais faire ton fassa. Anjola, on dit fassa. Je vais faire ton atalakou, ton fassa. Normalement, quand c'est comme ça, tu dois travailler l'argent sur moi. Mais comme tu me regardes dans ton écran, tu peux faire un PayPal. Hé, hey, je m'amuse. Oh. Après, ils vont dire que j'ai menti. Pardon. C'est pas pour que tu me donnes l'argent. Pardon. Parce que après, ils vont dire que j'escroque mes fans. Femme phénoménale. Laisse-moi te dire, tu n'es pas seulement phénoménale, mamie. Tu es une femme de grandeur. Tu es une femme de valeur. Tu es une femme d'humeur. Tu es une femme de terrain. Tu es une femme dont l'air est serein. Oui, je veux faire les rimes. Tu es une femme. C'est ça, on dit. Femme. Comme la collection de Gilles Touré en 2008. C'est toi. Je te connais pas, tu me connais pas. Mais regarde comment tu es gentil avec moi. Pourtant, je n'ai rien fait pour toi. Hein. Je fais juste des vidéos. Mais tellement tu as bon cœur et tellement tu sais reconnaître le talent et l'abnégation, le courage des gens. Tu es le genre de personne qui aime voir les autres évoluer. Parce que photo de profil, je vois là. Mamie, tu as l'argent. Ça, c'est pas quelqu'un qui est pauvre. Même si tu n'es pas riche, tu es une femme indépendante, battante, exigeante, souriante, valorisante. Quoi hante encore? Qui hante? C'est toi. Merci. Oui, j'enchaîne les événements. Mais c'est grâce à vous. Vous pensez que les gens qui m'invitent dans les événements, c'est parce qu'ils m'aiment trop. C'est parce qu'ils savent que j'ai une communauté de rien. Quand je vais à leurs événements et puis je filme, ma communauté voit. Et ça fait parler de leurs événements. Sinon, parmi eux-mêmes, là, il y en a qui me critiquent. Hein. Les événements pleineurs. C'est comme ça on dit non. Ceux qui font les événements, il y en a qui me torpillent. Il y en a qui cassent le sucre. Souvent même, il y en a qui déposent sucre. Et puis ces briques, ils cassent sur mon dos. Il y en a, au lieu de casser du sucre sur mon dos, ils me cassent des briques sur le dos. Venez même me casser les briques sur mon ventre. Voici mon ventre devant moi. Je veux que ça diminue. Cassez-moi les briques sur mon ventre. Ça va faire rentrer mon ventre. Vous me cassez ça sur le dos. Je suis déjà bossu. Je vous ai expliqué ça. Quand j'étais petit là, j'étais bossu. On m'a traité au village à mes 3 ans. Ça fait que la bosse n'est pas sortie. Laissez mon dos. Mon dos a déjà un problème. Pour ceux qui me connaissent dans la vraie vie, quand je marche, je suis un peu courbé. Je suis un ancien bossu. C'est juste que la bosse n'est pas sortie. Laissez mon dos en paix. Les gens qui me critiquent, laissez-moi en paix.
Merci, femme phénoménale. Merci beaucoup. Merci. C'est ça, on dit que femme. C'est ça, on dit ta maman t'a accouché femme. C'est ça. Laisse les jaloux passer. Femme phénoménale, nana. Laisse les aigris passer. Femme phénoménale, là. Ça, là, j'ai fait ton passage. Normalement, tu dois me donner. Ouh, ils vont dire que je te demande. Non, tu peux me faire un PayPal. Regarde comment j'ai fait ton Atalaku. Même Doug Saga, paix à son âme. À l'époque, on faisait pas son Atalaku comme ça. Hein. Malgré qu'il donnait l'argent. On faisait pas. Regarde comment j'étais mis en haut. Phénoménal. Hein, tu as bien commencé à la fin. Tu mets feuille. Ça, c'est feuille de laurier. Fallait mettre les vraies feuilles. Même si tu n'allais pas me donner l'argent. Fallait mettre émoticône de l'argent. Tu dis, j'ai évolué. Tu viens mettre feuille de laurier. Sur le tweet. Ça fait pas. Fallait mettre ça. Ça fait pas. Mais en tout cas, ma chérie, merci beaucoup. Merci, merci du fond du cœur. Franchement, ton tweet m'a fait plaisir. Même s'il n'y a que 7 likes. Mais c'est pas grave, c'est les jaloux, les gens de Twitter. La fille a bien parlé de moi comme ça. Il n'y a que 7 likes. Prenez les likes là pour faire soupe d'oignon. Vous allez voir. Ça, c'est vos problèmes. Merci, ma chérie. Merci de tout. Merci de ton soutien indéfectible. Merci de me suivre depuis le début et d'admirer mon évolution. Merci. Parce que c'est pas tout le monde qui prend la parole pour dire j'aime voir cette personne évoluer alors qu'on ne se connaît même pas. C'est parce qu'en fait, tu n'es pas une mauvaise personne et tu ne penses pas qu'à toi. Et j'espère que Dieu va te le rendre centuple. Merci. Merci. C'est ça, on dit. Une abonnée. Parce que j'ai l'impression que les gens dans abonnés, ils entendent abo et né. J'en ai abo. J'en lavabo. Lavabo où on lave les mains. Là. Quand on dit abonné, là, c'est ça. Là. C'est pas né et lavabo. Sauvage que vous êtes. Ça, c'est pour mes haters. Merci, femme phénoménale. Le duo Kevin Aubin Fit Cookie m'avait vraiment manqué. Je me suis tapé de grosses barres. Merci ma chérie. Fatima, 12e mois 2022. Merci Fatima pour ton tweet du 15 décembre 2022. Merci beaucoup. Vous savez, à cause de vous là, mon petit frère pense qu'il est star. À cause des tweets comme ça. J'apprécie ton tweet. Merci Fatima. Mais mon petit frère, quand il marche, il est comme ça. Pourtant, c'est moi je dois prendre mes épaules pour faire comme la cape de Zoro. Si quelqu'un doit prendre ses épaules pour faire comme cape de Zoro là. C'est moi. Mon petit frère oublie qu'il est juste petit frère des stars. Qu'il marche, il est comme ça, il est comme ça. Mais je comprends. C'est à vous qui lui mettez ça dans la tête. C'est à vous qui lui mettez ça dans la tête. Normalement, tu pouvais dire que le duo Kevin et son petit frère m'avaient vraiment manqué. Mais quand tu écris son nom comme ça, là, quand il a Twitter, quand tu écris le duo Kevin Fit Cookie, il va penser que lui aussi, il est un personnage de YouTube. Pourtant, c'est moi, c'est ma chaîne. Moi, là, je suis pas le Kim Kardashian de ma famille. C'est moi, ça, je dois être la star de chez moi. Je les mets dedans de temps en temps, une fois en passant. Parce que, bon, ils sont drôles. Chacun a son tic, tic, tic. C'est pour ça, hein. Sinon, tu pouvais juste dire mon nom. Mais merci beaucoup. Avant, là, quoi qu'il pouvait pas aller s'asseoir pour se dresser. Aujourd'hui, tellement il pense qu'il est Rob Kardashian. Il s'en va s'asseoir. Et puis on fait Mougou laisser sur sa tête. Et puis quand il vient s'arrêter devant toi pour te parler, pour te demander l'argent, il met sa main dans ses mèches comme ça, pour aller derrière. Comme ça, pour aller derrière. Comme dans High School Musical. Il te parle et puis il est comme ça, comme dans High School Musical. C'est à vous qui avez fait ça. C'est à vous. J'ai mis mon petit frère sur YouTube. Vous l'avez chargé pour me laisser. Que Fit m'a vraiment manqué. Mon Dieu avec qui t'a manqué. Donc avant Cookie là, quand Cookie n'est pas là, tu ne regardes pas, mais toi-même tu es une sorcière. Le duo t'a manqué. Est-ce que nous on t'a manqué que les Jonas Brothers? C'est ça non? Ceux qui étaient sur Disney Channel, les Jonas Brothers. Nous on t'a manqué que Zach et Cody. En tout cas, hey, mais c'est comme si je te fais fort. Pourtant je ne veux pas te faire fort. Merci ma chérie. Bisous Fatima. Kevin Aubin est devenu super beau. Ça là. Moi, je n'aime pas trop quand on me dit ça, mais les gens... Kevin Aubin est devenu super beau. Kevin Aubin... Loïc, où je regarde là, tu mets le message là-bas. Partout où je mets mes yeux, tu mets le tweet de la fille là-bas. Kevin Aubin est devenu super beau. Ah bon? Kevin Aubin est devenu super beau. Kevin Aubin est devenu super beau. Partout où je regarde, tu mets le tweet.
Kevin Aubert est devenu super beau. 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 Prudencia. Kevin Aubert est devenu super beau. Kevin... Tu fais comme Prudencia. 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 Garamou danger. Tu fais ça. Kevin Aubert est devenu superbe. Kevin Aubert est superbe. Superbe. Kevin Aubert est superbe. Tu mets partout. Kevin Aubert est superbe. Kevin Aubert est superbe. Kevin Aubert est superbe. Merci. Parce que j'ai pris du poids, je perdais confiance en moi. Je me trouvais enrobé. Je trouvais que mes joues sont sorties. Je me trouvais plus. Tu vois le genre, non? Parce que avant là, je pouvais mettre crop top. Aujourd'hui, quand je mets crop top, tu vas penser que c'est t-shirt sauté. Avant, quand je n'avais pas avant, c'était crop top. Aujourd'hui, si je fais, tu vas dire c'est t-shirt sauté. T-shirt sauté. Merci. Quand je vois des messages comme ça pour dire que tu es super beau, ça me redonne confiance en moi. Ça redonne mon blason. Merci beaucoup. Toi-même, tu es belle. Si c'est vraiment toi sur la photo, tu es belle. Merci. Parce que les gens avaient commencé à me faire... Comment les gens de Cocodila aiment dire ça même? Les gens que leurs parents ont l'argent là, quand on parle de leur physique, ils appellent ça comment? Hé, les gens que leurs parents ont l'argent là, quand tu critiques leur physique, ils disent que tu fais du... Tu leur fais du quoi, shame là? Oh, c'est que leurs parents ont l'argent là, quand tu parles de leur banque ou bien de leur jour ou bien... Ils disent que tu fais shame quelque chose. Hé, j'ai oublié. Ils disent que tu me fais... Pourquoi tu me fais du shame quoi là? Hé, hey, body shaming. Ciao. Body shaming. Oui, oh, ça c'est les gens que leurs parents ont l'argent. Quand tu leur dis, hey, ton ventre est sorti de ta joue, tu me fais du body shaming. C'est pas bien. Comment ça tu peux faire du body shaming? Nous autres là, nous les enfants de Yopougon, quand tu nous dis ton ventre est sorti de, on te répond, c'est ça oh. C'est ça qui est là oh. Ah! Nous les enfants de Poignon là, quand on te dit ton ventre est sorti, on te dit ton ventre est sorti, hein. On dirait ça va chez toi. Ça va. Chez nous, à Yopougon ici, quand ton ventre sort, c'est signe de richesse. Les gens de la haute là. De la haute, quand tu leur dis que ton ventre est sorti, ils disent que body shaming. Shame. Ah, en tout cas, merci mamie de me trouver beau. Toi-même, tu es belle. En tout cas, c'est ça oh. C'est ça. Je suis beau, oui. Je suis beau. Ça, là, même, là. Mon âme... J'allais dire, oui, c'est mon âme sœur. En tout cas, la personne avec qui je suis en couple me le disait hier. Tu es trop beau et tout. Je suis beau. J'y crois pas comment je suis beau. Mignon garçon, zéro d'effort. Putain, calme, je suis... Loïc, fais un plan rapproché. Fais un plan rapproché. Je fais mon bon profil. Putain, calme, je suis... beau. Putain, comme je suis beau. Orlia et Kevin Aubin. Oh my god. Hein? J'ai vu Orlia à Live TV. Je vais vous expliquer. Orlia, là, c'est une youtubeuse. Voici sa chaîne YouTube. Pour ceux qui la connaissent pas. C'est une youtubeuse que je suivais. Quand j'ai commencé YouTube, là, elle faisait partie des premières youtubeuses qui m'ont donné envie de faire aussi. C'est une youtubeuse que je suivais. Quand je l'ai croisée à la télé, elle était allée faire une émission, là, le club. Quand je l'ai croisée, elle sortait du studio. Moi, je rentrais dans le studio parce que moi, je partais enregistrer mon émission, en fait. Le talk. Donc, elle sortait. J'ai vu que c'était elle. Je l'ai dépassée. Elle a dit bonjour. Je dis bonjour. Mon cher, je l'aime bien, mais je vous ai déjà dit. Quand moi, je rencontre un personnage public... Quand je rencontre un personnage public, je suis sur mes gardes. Parce qu'il y en a, tu les salues, ils ne te répondent pas. Donc, pour éviter ça, je fais comme si même je ne te connais pas. Pour éviter que tu me fasses fort devant les gens. Hey, dès que je te vois, je mets mes galons. Je mets mes épaulettes. Je gonfle mes épaulettes. Façon, on gonfle. Pimpin, ballon pimpin. C'est comme ça, je gonfle mes épaulettes. Je suis comme ça. Elle a dit bonjour, je dis bonjour. Pour lui montrer que même je sais toujours son hobby. Que c'est pas parce que deux jours là, je suis à Abidjan fort fort, que je sais plus où elle disait. J'ai fait bonjour. Maintenant, je voulais lui faire fort. Je suis ressorti du studio pour aller au maquillage. Parce qu'on m'a dit,
Elle est au maquillage. Je dis ok, je m'en vais au maquillage. Pour causer avec les maquilleuses. Pour lui montrer qu'elle est sur mon territoire. Pour lui montrer qu'elle est sur mon territoire. Qu'elle est invitée. Moi, je suis chroniqueur. Elle n'est qu'une invitée. Moi, je suis chroniqueur. J'ai eu honte. La fille là, elle est gentille. Elle est sympa. J'ai eu honte. Je voulais la snobber. Elle a mis la honte sur moi. Elle est venue, Kevin. On peut faire une story. Je t'aime trop. J'ai dit, hé, hey, moi-même, je t'aime aussi. J'aime trop ton contenu YouTube. Et c'est vrai. J'aime. Mais je ne pouvais pas lui dire ça comme ça. Ah! Et si je lui dis j'aime, et puis elle me dit merci. Comme la petite chibi là. Elle pouvait me faire ça. Mais franchement, elle était hyper sympa. Voilà, en fait, on n'a pas vraiment discuté parce que bon, elle devait partir. Moi aussi, je devais aller enregistrer mon émission. Mais on s'est parlé vite fait quoi. Et du coup, je pense que maintenant, on se suit sur. Ouais, on s'est follow sur Insta. Ouais. Donc voilà. Donc en fait, je ne la connais pas personnellement, mais c'est une fille que j'aime beaucoup. Voilou, voilou. Bisous, Orlia. Kevin Aubin, je le trouve drôle. Très drôle même. S'il est web humoriste, il est dans mon top 3 clairement. Le gars avec une story time, une histoire banale, il peut te faire rigoler pendant une vingtaine de minutes non-stop. 6 Nocturne. Merci 6. You are my 6 for life. Merci. Mon affaire de drôle là même, je sais pas pourquoi certains refusent. Aujourd'hui même quand je suis allé sur Twitter encore, quand je suis allé sur Twitter, j'ai vu des messages. Kevin Aubin, sérieusement, vous le trouvez drôle? Parce que vraiment, avec point de suspension. Tu vas prendre les points de suspension là. Te suspendre. Tu vas prendre les points de suspension là. Pour suspendre ton aigreur sur la tour des Babel. Qui vous voit même? Vous refusez que je sois drôle, c'est pourquoi? Je suis drôle. Voici ça, la fille avait me dit. Vous refusez mon drôle là, c'est pourquoi? Aïe! Si vous m'énervez même, je vais appeler Caroline Da Silva pour aller jouer dans Drôle de Femme. Son spectacle, Drôle de Femme. Ça là. Je vais aller jouer dans Drôle de Femme. Avec Priscilla Degameuse, Adrienne Coutouin, Clémentine Pape. Je vais partir. Je suis drôle, je suis chic. Je suis amusant. C'est ma destinée. Je n'ai pas choisi. Oh! C'est Dieu donné, je n'ai pas choisi. Oh, c'est Dieu qui a pris et puis il a mis ça dans ma main. Et puis il dit, mon fils, ferme ta paume. C'est pour toi, faut pas donner à quelqu'un. Je suis drôle, je suis drôle. Merci ma chérie. Moi-même quand je parle, je sais que je vais rire. Quand je parle, hey, déjà même garçon qui vient s'asseoir, vous faites comme ça. Pour dire que vous là, ça fait déjà rire. Tu prends tes deux boules qui sont en bas de toi. Tu mets les boules là. Derrière, et puis tu viens faire comme ça. Vous là, ça fait rire. N'ayez pas honte, riez. Les gens qui disent, si tu te, il n'est pas drôle. Et ne vous cachez plus. Riez, à gauche déployée. On va pas vous tuer. Vous mentez, je suis drôle. Si c'est drôle seulement, je suis drôle. Vous pouvez faire débat sur ma virilité. Vous dites, Kevin, il est viril, il n'est pas viril. Oh, Kevin, il est poli, il est impoli. Sur les choses comme ça, vous pouvez faire débat, politesse, virilité. Mais, sur la drôlerie, soit vous écrivez, il est drôle. Soit vous vous taisez. Loïc, plan rapproché, plan rapproché. Soit vous écrivez, il est drôle. Soit vous vous taisez. Mets le plan sur ma bouche. Loïc, le plan ici. À jamais. Vous vous taisez à jamais. Enlève le plan maintenant. Merci ma chérie, merci beaucoup. Merci d'apprécier mon humour. Et merci de comprendre que je ne suis pas un mauvais type. Et que en fait j'ai un humour particulier. Voilà, j'aime bien être acerbe, caustique, j'aime bien piquer, mais c'est jamais méchant. En tout cas, je fais jamais de vidéo pour faire du mal à quelqu'un, pour que la personne en souffre ou quoi que ce soit. Donc, merci beaucoup. Merci. Pause. Depuis quand Kevin Aubin a des muscles, il est devenu garçon. Play. Tu dis que pose moi. Je dis play. Avant, j'étais pas garçon, j'étais quoi? J'étais pas garçon, j'étais quoi? Ça là même, je sais même pas pourquoi j'étais sélectionné. Parce que j'ai dit c'est le commentaire positif, je prends. Ça là, je sais pas si c'est positif ou bien. Non, c'est positif, Kevin. Elle voulait pas te faire fort. Ça pour dire que pose, tu as pris des muscles, tu es devenu genre. Tu es devenu garçon. Mais pourquoi tu dis ça? Kevin Aubin, il a pris des muscles, ça lui va. Ça là, tu pouvais pas écrire. Que pose? Pose même un petit. Pose un petit. On était même. La télé. Off! Pas tu dis pose, non. Moi, je dis que. Off, sorcier. On était on, off, off, play. Mais c'est pas trop méchant, ce que tu as dit là. C'est pas trop méchant. Parce que Kevin a arrêté. Tu comprends ce que la fille veut dire?
Avant, tu étais non seulement tu étais tchèque, tu étais mince, tes bras étaient secs. Dès que tu fais comme ça, le vent prend pour partir. Donc, tu étais toujours comme ça, comme ça. Aujourd'hui, là, comme tu as un peu de muscle, quand tu parles, pour lever ta main pour faire comme ça, c'est un peu compliqué. Les muscles là bloquent. C'est ce qu'elle veut dire. Est-ce que ce qu'elle a dit là, c'est mauvais? Non, je comprends, je ne prends pas ça mal. Non. Eve, non. Il y a quelque chose derrière. Parce que son pose même, elle est écrite pose là. C'est toxique. Ça veut dire arrêter tout. Wou! Arrêtez tout. Wou! Kevin est devenu il. Avant, il était elle. Il est devenu il. Sorcier. J'étais pas garçon, j'étais quoi? J'étais Mandy. De Totally Spice. Mandy qui faisait parler avec Clover. C'est elle, j'étais. Je te laisse. C'est Noël. L'esprit de Noël. Donc, je te laisse. L'esprit de Noël. Mais sache que je prends les guirlandes et les boules-boules, on met sur les sapins là. Les boulettes là. Comment on appelle ça? Les boules-boules là. Je prends ça pour te lapider. Sorcier. Et les guirlandes là, je prends ça pour. Sorcier. Péchou qui parle mal de Kevin et il y a Bernice qui rigole dans le live. Ou bien j'hallucine. Ça, c'était le 16 novembre 2022. Merci Amina. C'est ça, on dit, faut avoir des abonnés qui te disent la vérité et qui te tiennent au diapason et au parfum des choses. Hein? Donc, le jour Péchou était en train de m'insulter. Bernice était dans le live et puis rien. Merci ma chérie. Amina, merci. Merci. Toi, Bernice. Tu vois, je savais qu'il y avait un guise sur roche. Parce que quand je te parlais d'affaires de Péchou, là, faut le laisser. Oh. Faut le laisser. Ja! Tu étais dans son camp. Tu étais un de ses soldats. Bernice. Bernice, si tu es ce qu'on appelle un espion, sache que moi. Si tu es un espion, sache que moi, je suis l'Union soviétique. Bernice, si tu es un espion, sache que. Moi, je suis la MINUSMA. MINUSMA, c'est l'armée de l'ONU. Je suis la MINUSMA. Si toi, tu es un espion. Et espion de qui d'ailleurs? Bernice, je ne sais plus. Où me mettre? Tu as osé me faire ça, Bernice? Tu as osé aller rire dans un live où on dit que je porte les habits à 1 euro? Un live TikTok dans lequel on dit que je porte les habits à 1 euro, 2 euros. Que je m'habille comme si je suis perdu dans la vie. Un live où on m'a... Repassé, on m'a vaporisé, on m'a plié et puis on m'a mis en soupe. Tu as allé rire là-bas. Ah, Bénice, qui es-tu? D'où viens-tu? Que me veux-tu? Où vas-tu? Que deviendras-tu? Tant de questions que je me pose en ce jour te concernant. Tant de questionnements qui me viennent à l'esprit te concernant. Le jour quelqu'un te fait fort sur Internet, je ne vais pas aller rire. Je vais lui faire dépôt pour lui dire merci. Je vais lui faire Orange Money. Je vais lui faire tap tap sel pour lui donner mes honneurs. Eh, Bernice, si tu es Ruby, sache que moi je suis Lucrecia. Bernice. Bernice, si tu es Raissa, sache que je suis la patronne. Si tu es Chucky la poupée, sache que je suis dame. Merci Amina pour ce que tu as dit. Merci beaucoup. Ton information. Merci ma chérie. Kevin Aubin is the real crush. Très éloquent. Kevin Aubin is the real crush. Ça j'ai compris. Très éloquent. De la suite dans les idées, on adore. Hashtag Grand Talk. Oh merci beaucoup en Gémeaux. Merci ma chérie. Merci de me suivre dans le Grand Talk et merci d'aimer mes interventions. Merci beaucoup. Vous savez, pour ceux qui me suivent depuis le début, je voulais vous prouver à vous, mes abonnés de la première heure, qui ont vu mes vidéos à l'époque où j'étais encore en école de journalisme, qui voyaient mes stories quand j'étais encore en école de journalisme. Je voulais vous prouver à vous que je pouvais vous montrer à vous, hein, mes abonnés, un autre aspect de moi, un autre Kevin que vous ne connaissiez pas vraiment, même si je pense que certains s'en doutaient un peu. Mais c'est à vous, mes abonnés, que je voulais prouver ça, et pas aux gens qui me critiquaient. Et quand j'ai commencé à faire le talk, ils se sont ravisés en disant « Ah, finalement, ce petit n'est pas mal. » Eux, je m'en carre totalement, en fait, parce que eux, je n'avais rien envie de leur prouver. Voilà, s'ils se sont ralliés, je m'en tamponne à un point. Mais vous, en tout cas, je voulais vous montrer cet aspect-là de moi. Donc, merci. Merci, ma chérie. Merci.
Merci beaucoup de m'avoir suivi. On se dit à très bientôt, bah, à demain. Et je vous aime d'amour. Et merci pour tous vos messages dithyrambiques, vos messages positifs. Merci de m'encenser de la sorte sur Twitter. Ça ne pourra que fermer constamment la gueule de nos ennemis. Parce que vous, c'est moi. Moi, c'est vous. Sauf ceux qui n'aiment pas se laver, qui ne sentent pas bon. Donc, vous, là. Il y a certains abonnés, là. Bisous.